Bonjour et bienvenue à La Table au goût du lac, votre émission de cuisine avec les produits de chez vous, avec des chefs de chez nous. Hein? On est heureux et cette semaine, on est très heureux d'accueillir à nouveau M. Antoine Tremblay. Bonjour Antoine. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. Ben oui, c'est le fun que tu sois là. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Écoute, on va faire une petite recette de poisson, fish and chip maison à la bière. On a de la bonne bière ici, à Dolbeau. Ben oui, fish and chip maison. Bière blanche, patates du lac Saint-Jean. C'est important. Les produits sont déjà presque tous nommés, mais pour vrai, les fiches, ça se fait avec la bière blanche. Ah oui, effectivement. Patates du lac Saint-Jean qu'on a chez nous. La blanche, c'est encore la blanche, oui. Moi, je pense que la blanche, c'est encore meilleur. Et avec ça, ben, on va faire donc des fiches maison avec des chips maison. Des chips maison. Oui, avec des patates du lac. Encore une fois, on va faire une petite salade de choux maison. Parfait. Classique, une petite sauce tartare maison. Puis ça, est-ce que c'est compliqué à faire? Non, c'est beaucoup plus simple que la première recette que j'ai faite. En fait, là, on va se faire une petite pâte maison à fiches. OK. Je vais te montrer les ingrédients. Vous allez voir, j'ai 4 ingrédients. C'est vraiment simple. Suite de ça, une friteuse traditionnelle, ça fait. Ici, on n'en a pas, malheureusement. On va prendre un chaudron, simplement. Okay. Mes bulles de canola. On fait chauffer à bonne température. Là, mes fiches sont ici. Je les ai épongées parce qu'ils étaient très mouillés. Là, j'ai pris de la morue. Okay. Vous pouvez prendre n'importe quel poisson blanc. Okay? Si vous êtes amateur de... Moi, je suis un amateur de brochet. J'en pêche beaucoup. C'est pas tout le monde qui le mange parce qu'il est dur à ranger. Il y en a beaucoup au lac Saint-Jean, qui est très bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arêtes, donc il faut faire attention. Moi, j'en ai fait dernièrement avec de la lotte pêchée dans le lac. De la lotte. Ouais. C'est écœurant. Filet de sol, ça peut faire. La morue, c'est vrai que c'est idéal. C'est un bon vieux classique. Fait que on est avec la morue que j'ai pris le temps de bien éponger parce qu'elle était très mouilleuse. Parfait. J'ai une autre question pour toi. Oui. Tu as dit on fait chauffer l'huile à la bonne température. C'est quoi la bonne température? Parce qu'on sait que ça peut vraiment mal virer de l'huile qui chauffe. Effectivement, faut pas que ça soit trop chaud. Là. 350-375 max, ça a bien d'allure pour une friteuse, de l'huile de friteuse. Là, moi, je l'ai fait chauffer un peu avant l'émission pour que ça s'éloigne à chauffer. Quand je vais voir que. Pour la tester, je vais mettre un petit peu de pâte, voir si elle cuit à mon goût. Elle va être parfaite. Fait que là, je sais qu'elle est pas loin d'être prête. Fait qu'on va commencer par faire notre pâte. Parfait. Prends un beau petit coup de poule. Fait que là, dans ce cas-ci, je prends de la farine normale de blé, une tasse. Puis je mixe avec la farine de maïs, une tasse aussi. OK. Mais si vous n'avez pas de farine de maïs, c'est pas grave. C'est une que ça donne bonne couleur, belle texture. Mais sinon, tu mets deux tasses de farine normale. Exactement. Parfait. On y va avec notre bière blanche du coureur. Que je ne mettrai pas toute, par exemple, sinon on va être trop liquide. OK. Trois quarts. Facile. On va y aller à l'œil. Tu peux me préparer une cuillère à table de fécule de maïs pendant ce temps-là? Absolument. Ça va aider la pâte à gonfler. On veut une belle pâte, là, pas épaisse, là, mais bien fluffy, là, avec de l'air dedans. Tu t'envoies ça là-dedans? On envoie ça là-dedans. On rajoute de la bière. Bière blanche en passant, la harfan du corps des bois est écœurante. Ouais. Tu peux m'envoyer un peu de poivre des dunes aussi qu'on va mettre tant qu'à l'avoir sous la main. Poivre des dunes, hein, de... Chez nous en haut. Chez nous en haut, à Girardville, excusez, j'ai tout le temps un peu de misère avec l'or. Hein. C'est parfait. Parfait. Tu peux y aller aussi avec du sel, on va y aller plus généreusement avec le sel. Plus généreusement avec le sel. Ouais. Mon sel est ici, hein, sel fait. En fait, je ne pense pas qu'il est fait, mais qu'il vient d'Héberville Station, hein, qui est aussi au lac Saint-Jean. Ouais. C'est parfait, ça, c'est bien généreux, c'est important. Fait que, on a une belle texture. En la levant, tu vois comment qu'elle descend, c'est oui, comme ça que c'est important. Quand on va le tremper dedans, on va tout simplement garder le poisson surélevé au-dessus de la pâte pour enlever l'excédent. OK. Donc ici, moi, d'après moi, là, à l'œil de même, je vois qu'elle est belle. Okay. J'ai vraiment mis presque toute la. Presque trois quarts de la canette, là, facile. OK, parfait. Je pensais qu'on mettait des œufs dans la pâte. Ah, bien, on peut en mettre, c'est facultatif. Comme là, là-dedans, il y a de la levure. Ah, OK. Ça va vraiment aider à lever. Ça va faire la job. Mais j'aurais pu mettre des œufs, mais. Non, mais c'est un a priori là, que j'avais. Là. OK, on a une belle pâte. Ça va faire. Ensuite de ça, je vais vérifier la température de mon huile avec une toute petite affaire de pâte. Là, je vois qu'il en manque un petit peu, on va attendre. Toi, là, ce que tu t'attends, c'est que dès qu'elle tombe, c'est qu'elle remonte à la surface. Ah, OK, c'est parce qu'elle descend dans le fond et qu'elle remonte à la surface. Exactement. C'est la rapidité qu'elle remonte qui ça dit, vois, en fait. C'est sûr que le top, ça serait d'avoir un thermomètre ou une vraie friteuse. Là. Oui. Dans ce cas-ci, là, on va faire avec. Parfait. C'est important avant de mettre les fiches dans la pâte qu'on la farine un peu pour aider à ce que ça colle. Colle. Exactement. OK. OK, on va attendre un peu. Pendant ce temps-là, si on veut, là, on peut commencer tranquillement à éplucher nos carottes. On va se prendre deux belles carottes. Je vais montrer aussi que tu as préalablement coupé les patates du lac Saint-Jean, hein? Patates jaunes du lac Saint-Jean. Pour faire des belles chips. Pour faire des belles chips, ça, c'est délicieux. Fait que si tu veux t'occuper des carottes, moi, je vais m'occuper de choux. Tu as besoin de combien de carottes? Deux carottes, ça devrait faire la fin. Parfait. Ben, en fait, si elles sont bien grosses, une. On va l'éplucher, on va en romper.
pense qu'ils sont assez gros. C'est parfait, une. Bon, fait que là, je constate que mon huile, là, elle s'en vient bien. Fait que je vais commencer mes fiches tranquillement. On farine. C'est important, on farine bien le poisson. Je l'ai très bien égoutté avant là, pour enlever le plus d'eau possible. OK? OK. C'est important. On envoie dans la pâte. C'est sûr, c'est salissant, mais des fiches maison, c'est tellement bon. Vous allez vous salir un peu, mais je ne le regretterai pas. Du coup, mon fiche est bien enrobé. Je le laisse suspendu au-dessus pour égoutter la pâte, pour en enlever le plus possible de pâte. Puis, on envoie dans l'huile, comme ça. Wow! Faire bien attention quand on travaille avec l'huile chaude. Oui, hein, très attention. Ça ne pardonne pas. Mais pas trop non plus pour pas que ça déborde, parce que si ça déborde dans votre, sur votre rond, là, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Oui. C'est dangereux pour le feu. Fait que ouais, c'est plus ça. À la maison. Mais normalement, on a une belle friteuse à la maison, là, ce qui fait encore plus la job là, que ce que je fais là. Fait qu'on n'hésite pas à les envoyer un après l'autre dans l'huile. Retourne dans l'huile, ils vont cuire. Ah, ben je vais les tourner, oui. En vérifiant la cuisson, là, je vais venir les tourner quand même. Là. OK. Tu vois qu'ils sont quand même bien. J'ai mis assez d'huile, ils sont vraiment plongés. On laisse couler un peu l'excédent tout le temps. Je t'ai pas demandé la grosseur de rompage de carottes que tu veux. Ah, ben assez petit, là. Ah, OK. Je peux prendre le plus petit comme ça. Tu peux prendre le plus petit. Ou le plus gros, en fait, les deux sont faits. Non, mais. J'entends le beau bruit de la friture, ça, là, c'est magnifique. Toi, tu fais tes chips, tu les fais après le poisson. Ouais, parce que là, le poisson, il va avoir quand même un excédent de gras là, dans la pâte, là, qu'il va avoir le temps de couler quand même, parce que c'est quand il ferait sortir la friteuse, là, on veut pas non plus mordre dans une bouchée d'huile. Ben oui. Là, les fiches, on y va à l'œil, quand ils ont une belle panure dorée, on sait qu'ils sont cuits au centre. De toute façon, ils ne sont pas si épais. On peut les faire épais au choix, là, il n'y a pas de problème. Okay. C'est le fun d'avoir un beau gros morceau de poisson. Ben moi, je sais qu'en Grande-Bretagne, c'est une de leurs spécialités, puis ils font le poisson au complet. Entier, un gros filet. Entier, puis j'ai fait ça avec ma lotte la dernière fois que j'ai fait des fiches. C'est les kings des fiches, c'est... Oh oui, vraiment. Ben en tout cas, peut-être qu'il y en a ailleurs des ils font souvent, justement, des panures à bière comme ça, là. Ouais. Encore quelques minutes. L'huile est neuve, hein? Dans ce temps-là, c'est tout le temps plus long avoir un beau doré. Parce qu'il faut que l'huile prenne... Plus l'huile est usée, plus elle va prendre la couleur, puis plus elle va donner, c'est plate à dire, mais une belle couleur quand même aux aliments. Sinon, ils sont plus longs, on va prendre une belle couleur, mais ils vont être quand même aussi cuits. Ça sent bien. C'est pas une recette qui est pas très longue à faire, finalement. Non, franchement, là, c'est vraiment pas très long. Il y a avec deux cuissons. Après ça, moi, je vais faire un demi-chou. Ça va être en masse pour les besoins de l'émission. Je vais commencer tout de suite. Fait que ça, je peux te mettre ça dans ce plat-là? Oui. Pendant ce temps-là, nos fiches vont finir de cuire. On va les égoutter. On va partir nos chips. Chips qu'on va venir assaisonner avec des épices cajun. Oh! Tiens, ces carottes-là. Oh, je vais aller me laver les mains aussi à mon tour. Là, tant qu'à être dans le poisson, on peut mentionner qu'il va ouvrir bientôt une poissonnerie. C'est à Dolbeau. C'est vrai, ça? Oui. Tu sais, pour toi qui es chef, là, ça doit être vraiment... Parce que sinon, pour le poisson, s'approvisionner en beaux poissons frais... Pour la maison, c'est plus difficile. C'est sûr que les épiceries offrent quand même beaucoup de choix, mais c'est moins idéal, mettons, là, pour qualité tartare, qualité sushi. OK. Une poissonnerie va nous offrir un bien meilleur service que l'épicerie, là, en termes de qualité de poisson. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, ce que je voyais, c'est que... Ils vont avoir. Ça va être beaucoup à. Tu sais, ça va s'appeler la poissonnerie gaspésienne. Oui, lui qui ouvre ça, justement, c'est quelqu'un originaire de là. C'est pour ça qu'il l'appelle comme ça. C'est tellement une bonne idée. C'est là que ça se passe, en plus. C'est là, manger. Moi, je vous invite à les encourager. Je vais le faire, moi, d'abord le premier. Si elle est ouverte aujourd'hui, mon poisson, il viendrait de là, c'est certain. C'est où qu'ils vont ouvrir, est-ce que tu sais? C'est l'ancien Jukebox, si j'ai cru comprendre. Ah, OK. Fait que ça va être ici au centre-ville, sur le boulevard Waldo. Wow. Bon, fait que salade de choux, moi j'aime ça grossir. Vous pouvez le passer au robot si vous voulez, mais moi j'aime vraiment ça, style restaurant, des belles grosses tranches. Ouais. Pendant ce temps-là, on peut se couper un peu de persil, on va l'envoyer aussi, là. On va le couper un peu plus fin cette fois-là pour la salade de choux.
Là, fait que plus fin que ça. Ouais, la moitié de ça, t'as... on va venir lâcher. Ouais. On va envoyer ça en salade de choux, on va finir notre vinaigrette. OK. J'enlève les fiches. Tranquillement. On a une belle pâte. Comme là, j'ai eu un petit problème avec la friteuse, mais bon, le résultat va être là. Ça, ça doit arriver quand même des fois en cuisine. Ben, là, où avec des friteuses inventées de même, là, ça peut arriver, mais en fait, le résultat va être bon pareil. C'est l'art de s'adapter aussi cuisiner, parce c'est que des fois, tu dois avoir des surprises. Ou... avec une friteuse industrielle en restaurant, là, c'est plate, mais ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est... je te crois. J'enlève mes fiches, je les imbibe comme il faut là, pour enlever l'excédent d'huile. Là. Pendant ce temps-là, on va laisser lui leur prendre une belle température. On va envoyer nos chips. Merci. OK. Parfait pour le persil. On envoie ça. Parfait. Tu vas le mettre tout? Ouais. C'est bon, du persil. Merci. Génial. Alors, on va se faire une belle sauce vinaigrée. Qu'est-ce que tu mets dans ta vinaigrette? Là, pour les quantités qu'on va avoir besoin, moi, je vais au bouchon avec le vinaigre. J'utilise tout le temps le bouchon comme ingrédient de mesure. OK. Donc, c'est quasiment une cuillère à table. Dans ce cas-ci, je vais mettre deux bouchons. Deux. Je vais t'inviter à mettre du sel et du poivre des dunes encore une fois. Parfait. Je m'occupe de ça. Poivre des dunes. Je vais starter nos chips pendant ce temps-là. C'est parti. Le merveilleux sel d'Héberville Station. Je peux mélanger la salade? Oui, bien là, tu as mis sel poivre. On va rajouter aussi un peu de mayonnaise. Oh! Oui. Je dirais là, une demi-tasse. Tu dis combien à peu près? Une demi-tasse. Une demi-tasse? Oui. Une demi-tasse. Je vais me trouver quelque chose. Ah, ça, c'est... ça marche pas. Je vais faire le cal de la... Ah oui, c'est beau, j'ai trouvé. Génial. Ensuite, on mélange le tout. OK. On va goûter pour rectifier l'assaisonnement au besoin, comme d'habitude. On prend une cuillère. Il n'y a tant qu'à faire ça en colon. Hein. Tiens, toi! Fait que je te mets la mayonnaise là-dedans. S'il vous plaît. Ensuite, on brasse. T'as mis du poivre, sel poivre? J'ai mis du poivre, sel poivre. Sel poivre, les huiles, comme dirait l'autre. Parfait. Excellent chou. On va l'enlever. On va se préparer aussi les belles tranches de citron. Hein. Qui dit poisson, dit citron. Oui. C'est quoi la bonne technique pour le citron avec le poisson? Parce que moi, tu vois, j'aime ça quand ça goûte le citron. C'est fait que souvent, avec mon fish, ce que je fais, c'est que je... j'ouvre un peu la pâte pour mettre que le citron imbibe la pâte et le poisson. Puis ma conjointe a fait « Non, 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 c'est pas une bonne idée. » Puis là, je fais « J'ai eu un doute, mais moi, j'aime ça de même. » C'est-tu correct? Je pense pas qu'il y ait des méthodes officielles là, par rapport à... Mais moi, ce que je préfère, c'est faire vraiment des beaux quartiers. Ouais. Quand tu viens le presser un peu partout sur ton poisson, c'est parfait. Avec une belle pâte de même, là, normalement, il devrait quand même s'imbiber. On peut y aller généreusement avec le citron, il n'y a pas de problème aussi. Là. Fait que les chips, ça va être un peu plus long. Normal. Parce qu'il faut que la patate cuise. Oui, c'est important. On va attendre d'avoir une belle coloration. Avec notre petite friteuse artisanale, ça va faire la job. Hey, ça a l'air magnifique, cette petite salade de choux-là. On brasse pour être sûr que les patates collent pas ensemble, qu'elles soient bien cuites de tous les côtés. Ah, faut pas qu'ils collent ensemble, c'est ça? Non, c'est l'idéal. C'est sûr, faut pas trop brasser fort non plus pour éviter de les casser. On s'en va vraiment faire des vrais chips maison. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu sois à l'affût proche puis que tu brasses, tu mélanges. Tu brasses, mais tu sais, tu vas doucement. Tu vas essayer d'éviter les casser le plus possible. Pour que ça vraiment... fasse un fond de sac de chips. Oui, puis ça s'appelle pas fish and chip pour rien. Normalement, c'est vraiment le classique est servi avec des chips, non des frites. Ouais. Mais les frites, ça fait le job. Là. En fait, c'est quasiment des frites, là, des chips, on s'entend. Ouais. C'est la coupe qui est différente, l'assaisonnement aussi.
Puis pourquoi tu as choisi épices cajun? Parce que ça fait ressortir le goût du... Épices cajun avec des chips, c'est vraiment... C'est un classique. Là. Moi, je suis vraiment... J'aime ça, la cuisine quand même assez traditionnelle. Quoi. De temps en temps, j'aime ça sortir des sentiers battus. Mais épices cajun, chips, c'est un mix and match, c'est parfait, c'est commun. Tu fais juste le saupoudrer, t'as pas besoin ouais, de... Ouais, en sortant l'huile, là, je vais absorber un petit peu l'excédent de gras, mais je vais en laisser un peu pour être sûr que les épices collent bien dessus. Ah, c'est ça. Je comprends. Donc, pendant que ça cuit, on peut commencer aussi, on va se faire une petite sauce tartare maison, hein? Ah, ben oui, pourquoi tu veux pas? Que je te débute ça? Ouais, mais on va garder ça simple, là. Pour aujourd'hui, on va prendre la mayo, oui. La reliche, qui est faite... Elle fait tout, celle-là? Oui, Chicoutimi. Ben, elle est embouteillée à Chicoutimi. Fait okay. Chicoutimi aussi. Avec des cornichons, des concombres, en fait. Du Québec. Du Québec. Ah, t'as bon. On va prendre le même poule que pour les. Oui, que pour le persil, en fait, parce que de toute façon, on va venir en mettre dedans, de toute façon. Génial. Moi, ma cuillère. Je l'ai mis là, moi, ce que je fais, c'est que je mets 50-50. Mettons qu'on veut une tasse totale de sauce, je vais mettre une demi-tasse de mayo, une demi-tasse de reliche. Parfait. On va venir rectifier un peu avec encore du jus de citron. Du persil. On a ça ici à côté. Puis d'ailleurs, là, moi, je conseille aux gens, là, il y a un beau kiosque quand on passe à Péribonka. Là. Tu peux aller directement acheter... Des patates. Des patates. Comme ça, on évite le transport. Puis, parce que souvent, ceux qu'on achète en épicerie, malheureusement, ils ont monté les entrepôts à Montréal avant de revenir sur nos tablettes. Ouais. Mais bon. Mais bon, ça fait pareil. C'est côté un peu. Mais si vous passez à Péribonka, ça vaut à peine d'arrêter. Ah oui, ben oui. On va chercher deux petits ramequins pour qu'on puisse mettre nos sauces, nos salades. Sauce. Belle sauce, hein? Je vais t'inviter à venir. Ben, vas-y, vas-y. Jus de citron généreusement parce que ça va vraiment rajouter un beau kick à notre poisson. Mm-hmm. That's it. Le citron, c'est magique. On va y aller avec du persil. Une petite poignée. On va encore venir hacher, là, finement. Moi, j'aime tellement le citron. Ah. Quand je fais ma pâte à fiche, je mets le zeste. T'en mets dedans aussi. Je mets le zeste. Ouais. Oui. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi, le zeste, en fait, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Les recettes de pâte, il y en a des millions, puis on peut l'adapter à nos goûts, là, sans problème. Tu mets un petit peu de persil là-dedans aussi? Oui, persil, là, c'est vraiment les passe-partout des fines herbes. Ça rajoute de la couleur, ça rajoute du parfum. J'en mets pas trop, hein, j'imagine? Non, ouais, c'est une belle quantité, ça. Parfait. Dépendamment des goûts des gens, si vous n'aimez pas le persil, vous n'en mettez pas. Puis, ah, pas du persil frais, là. Est-ce que tu as goûté la salade de choux pour l'assaisonnement? J'ai pas goûté, non, okay, non, non. Je vais aller le chercher deux fourchettes. Parfait. Mon goût est parfait. On va te laisser juger par toi-même. T'as apporté une fourchette. Je suis qui, moi, pour avoir un goût différent d'un grand chef? Ah! Ouais. C'est délicieux. Ouais, ouais. On va attendre que les patates soient bien dorées. C'est important. Vous voyez, ils s'en viennent. On veut qu'à grandeur, là, ça soit doré. C'est important. L'huile est neuve, fait que c'est tout le temps un peu plus long. Ah, c'est pas grave. En ce temps-là, on jase. On jase. Il reste un peu d'arfant. Tu veux s'y goûter? Ah, ben oui, je dirais pas non. Il reste une petite gorgée, fait que... Bon, ben... On la gaspillera pas. Encore obligé de se sacrifier pour la télé du haut du lac. Ma vie est triste. C'est de l'humour. Bon, fait que nos chips sont presque prêts. On va commencer peut-être notre montage pendant ce temps-là. Parfait. On a une belle petite assiette. On va se faire une petite assiette pour toi. Si tu veux mettre ta sauce tartare là-dedans, mm-hmm. Tu as-tu goûté? Non. Faut que je goûte. Faut goûter tout. Parce que c'est le temps de rectifier. Avant de servir, il faut rectifier au besoin. Sel, poivre, peut-être? Bon, ça, tu y goûtes. Moi, je trouve qu'elle est peut-être, ouais. Trop, peut-être trop de relish. S'il faut que je goûte, ça va me prendre une autre fourchette. Une autre cuillère, fourchette. On n'est pas... Je ne prendrai pas à même que j'ai déjà trempé. Ouais. Mais ça tombe à toi, moi je la trouve trop. Là, à date, je pense que j'ai trop mis de relish. C'est vrai? Pourtant, j'ai mis moitié-moitié, mais. Merci. J'ai l'impression que ça prend le dessus. On va dire ça tout de suite. Très sucré cette relish. On rajoute. On va rectifier, c'est le temps. Donc, on rajoute une bonne cuillerée ou deux de mayo, là. OK. Après moi, là. Peut-être même, on va peut-être rajouter du citron, qu'est-ce que tu en penses? Oui, 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 oui. Parfait. Parfait. We'll be right back.
approche. On approche, on approche. On approche, on approche. Ben oui, c'est ça, elle est sucrée, hein. Ça fait que... Ouais, elle est plus sucrée que ce que je m'attendais, mais elle était 40. Non, 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 c'est bon, mais là, je trouvais que ça empiétait pour ça qu'il faut, un peu faut sur. Avant de dresser, parce qu'on ne peut pas venir en arrière. On peut du poivre des dunes? Ah, moi, du poivre des dunes, j'en mets partout. Pas de problème. Go. Qui est excellent pour la santé d'ailleurs. Oui. Carottes aussi. On en mange pas assez. Non. Ça coûte rien en plus. Exactement. Fait que moi j'aime ça grossier, mais si vous aimez ça plus petit, là, style. Vraiment style. Rasserie, là, la salade de choux classique là, qui passe au robot. Ça fait... Moi je trouve que ça fait trop fort. J'aime ça avoir des beaux gros. Ben oui, moi je suis d'accord. Genre, moi l'image que j'ai, c'est la salade de choux Kentucky. Ah, où, ben oui. Écoute, quasiment du jus. Ouais, là, à un moment donné, il est au chou. Oh. Puis je les mets sur un petit papier pour absorber l'excédent d'huile, c'est important. OK. Là, notre friteuse artisanale nous a causé quelques problèmes, mais bon, on s'en sort. Point cash. On s'adapte. Vous manquez. Ce que vous manquez à... chez vous en ce moment à nous écouter, c'est l'odeur et le goût. Essayez ça. Fantastique. Ça va être pas pire partout, je pense. Certain. On va enlever tout notre excédent. On va enlever le papier brun. Je vais aller en chercher un peu plus. Ça ne sera pas long. Donc, je vais en profiter hein, pour remercier nos partenaires. En fait, rapidement, donc l'École secondaire des Grandes-Rivières, le tournant où on tourne présentement. Hein, merci beaucoup de vous prêter vos équipements. C'est très apprécié. Ainsi que notre partenaire financier, la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et aussi nos partenaires culinaires. Hein, on a les patates Lac-Saint-Jean. Ils ont fourni les bonnes patates. On a Poivre des Dunes qu'on a mis chez nous en haut, de Girardville. Et bien sûr... Microbrasserie, le Coureur des Bois avec l'Arfan, hein, une bière blanche pour faire la pâte à Fish and Chip. Je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, tu remercies le tournant? Hein? Le tournant? Oui, tout ça c'est fait. Ah, ben j'ai fait une belle job. Trop efficace. Je suis le roi des remerciements. On devrait me remettre un prix juste pour ça. Ah. Nos épices cajuns qu'on va envoyer dans les chips. Ok, j'ai. On envoie assez généreusement. Ben oui, c'est ça, je vois. Technique de shakage. Ça, c'est une belle technique, une belle manière aussi de rater son coup. Ouais, c'est sûr que là, maintenant, au pire que... Non, mais toi, t'es un professionnel, là. Moi, j'aurais pas osé. Je me connais, je suis tellement gaffeur. On va essayer de prendre le plus beau fish de la gang. Wow! Bon, je te laisse une petite dégustation. Je t'invite à mettre du jus de citron. Mettre du citron là-dessus. T'sais. Oui, jus de citron là. Ouais. Est-ce qu'on peut en mettre sur les chips aussi? Ben oui. Moi j'aime ça quand ça goûte le citron. OK, c'est un départ. T'as peut-être entrepris un petit couteau? Oh, mais non, pour me faire un... OK. Oh, oui, il apporte le croustillant. Goûte la bière? C'est important. Hein? Oui. J'ai oublié de mettre la sauce, mais je voulais goûter au poisson. Oui,
En fait, c'est tout le temps mieux. Moi, je goûte tout le temps la viande en premier. Mettons, je vais au resto, peu importe, chez quelqu'un. Mm-hmm. Même si c'est avec une sauce, je vais goûter tout seul pour voir ce que la viande goûte. Puis, au besoin, là, la sauce, évidemment. Équilibre parfait. Chip, il y a plus qu'à jeun, qui est légèrement épicé. Ouais. On va donner le goût. Mais au besoin, on peut changer. Là, on peut mettre des épices, là, poivron, ail, name it. Mm. Oh, hein. Oh, oui, c'est un bon. Petit kick. Un petit kick. Avec un bon petite bière blanche, tu bois une petite bière blanche avec ça. Puis, Salade de choux va venir adoucir. Mm. C'est délicieux, écoutez. C'est du bonheur. Là, ce que je vais essayer, c'est la douceur du poisson avec la, avec le piquant des chips. Oui. Bon. Cette émission-là aurait dû s'appeler Le Gros Cochon. Ouais, bel équilibre. Le goût du citron, puis... Ça match? Ça match au bout. Ça match. Bravo! Je vais te merci, Antoine, pour cette fantastique recette. Ça fait plaisir. Très apprécié. On va te recevoir encore durant cette saison. Je vais revenir. Parce qu'on t'adore. Merci beaucoup. Là-dessus, désolé, un morceau de chou pris dans les dents. Merci à vous d'avoir été des nôtres et continuez de nous suivre. Et ne nous manquez pas la semaine prochaine pour un nouveau chef, nouvelle recette, la table au goût du lac, votre émission de cuisine.